Nous voulons qu'on ait le président avec CSPN, non? Qui ça a fait pour Grand Ravine, population Grand Ravine, non, aller en souffle en bas, mais moun qui a des âmes qui ont fait ou passé misère? Qui ça a compté faire pour permettre village de Dieu, cité plus, cité de l'éternel, bicentenaire, premier, deuxième, troisième, quatrième avenue Molos, pour zone sa yo, la vie ta ka retourner là-dedans? Car dans zone sa yo, même élève jodi a, qui a difficulté pour aller à l'école, voir moun qui t'a arrivé à l'église ou à l'activité personnelle yo. Président, nous re le CSPN, non? Nous connaissons ces dossiers qui sont sensibles, n'a pas là. Qui c'est dossier sécurité. Moi connais gagné deux sénateurs qui demandaient commission pour nous demander relais CSPN ici. C'est sénateur Denis Kado et sénateur Nenel Kassi qui eux-mêmes sont dans NIP. Ils ont une information que vous voulez partager avec CSPN. Ils ont même demandé aux commissions d'enquête qui étaient qu'à regarder ce qui a passé dans NIP. Mais moi pensais, si nous faisons l'État renouveler, respecter principe sécurité, il y a des informations que nous ne pas publiquement devant la presse, parce que la bataille que nous avons menée pour sécuriser le pays, a la demandé pour nous adopter ensemble comme autorité des stratégies qui permettent de porter réponse sécurité à la population. C'est peut-être ça, ma demande, président, que nous avons fait séance de travail ça. Suivant ça, sénateur Nenel et sénateur Kado, tu as décidé, tu as voulu proposer l'Assemblée. Moi-même, je t'ai demandé pour un travail en huis clos. Avec beaucoup de respect que j'ai pour l'honorable sénateur Sénatus, qui dressait un tableau sombre de l'insécurité. Bien sûr, les spécialistes du CSPN pour venir avec des faits, mais je suis en mesure de dire qu'actuellement Haïti est un pays sécuritaire. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées, par la technologie, et je veux parler des réseaux sociaux. Je vais prendre un petit exemple. En avril 2010, je suis allé à Jamaïque, je suis allé à Kingston. Et la police te font intervention côté que te gen des gangs qui te gen en tête yo un trafiquant de drogue nom monsieur c'est Dodos, et te gen plusieurs dizaines de monde qui te mouri dans Kingston. Mais ça pas empêché que touristes toujours à Kingston, non? Ça pas empêché que haïtiens quitter le pays pour y aller passer vacances là, non? Moi, je dis, Haïti, son pays sécuritaire. Nous sommes passés en période de temps, depuis fin octobre, début novembre, côté que ou pas gain des cas d'insécurité en série. N'a pas aucun pays dans le monde côté que vous avez dit que vous avez zéro insécurité. Bien sûr, il y a un pile de travail pour nous continuer à faire pour nous renforcer la police nationale, comme vous avez dit, qui est de plus en plus
professionnel. D'accord? Nous sommes passés en décembre, côté que le peuple n'a sorti, côté diaspora rentré dans le pays. Hein? Pas aucune bavure qui fait pendant décembre. Nous sommes passés des dimanches pré-carnavalesque, côté que serviteur nous a parlé avec nous. Hein? Nous descendons presque sans sécurité, nous descendons dans la bande. Je n'ai jamais aucune crainte que le combat est privé. Effectivement, nous avons tout dimanche pré-carnavalesque qui est passé avec zéro mort. Nous sommes passés au carnaval, côté que dans Port-au-Prince, bilan c'est zéro mort que lié avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est une preuve que Jean Yovle décrit pays, c'est pas ça que dit. Nous sommes passés en période de la côté peuple à travers le pays. Peuple à musée. Dans les organes, par exemple, c'est une première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas jamais rentré dans la rue, ils rentré dans la les organes, ils ont amusé, ils ont tourné. Dans le pays côté que vous résidez actuellement. C'est confiance ça que la population commence à gagner. C'est confiance ça que l'étranger commence à gagner pour le pays. Côté que les familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, vous rentrez avec des étrangers qui viennent passer vacances avec vous. Vous viennent rentrer avec des petits blancs qui ont mis petit yo. Vous rentrez viennent passer vacances dans le pays. C'est parce que vous commencez senti que mon bagage est cap fait. Bien sûr, il y a un petit problème que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un haïtien qui tombait, ça fait.